Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Jetfire, Leader Class, Generation. Figurine qui m'a coûté 30$ au lieu de 60$ au Walmart. Sérieux, c'est un excellent prix. Que sur Cybertron.ca, il avait annoncé il y a 2 semaines. Fait que depuis 2 semaines, je cherchais mes 2 Walmart dans ma ville. Et justement, je ne les ai pas trouvés. C'est un de mes amis qui vit à une demi-heure, dans une petite ville d'une demi-heure de chez nous, qui l'a trouvé au Walmart. Il en a acheté un sien. J'ai demandé d'en acheter le mien. Il en restait et je l'ai eu il y a une couple de jours. Honnêtement, là, cette figurine-là, elle est très, très, très belle. Ok, couleur magnifique. J'ai rien à dire. La seule chose que je déteste de cette figurine-là, là, c'est qu'il est léger. La qualité de plastique, elle est médiocre. C'est mon père qui m'a aidé de le sortir parce que oui, attendez un instant, arrêtez de penser que j'ai besoin de mon père pour sortir une figurine. C'est parce que mon chum de gars et justement mes 2 chums de gars qui l'ont acheté, eux autres, quand ils ont sorti leur plastique autour des fusils, ben le chrome a resté sur le plastique. Le mien, c'est mon père qui m'a aidé parce que mon père, il est vraiment minutieux quand il fait des travaux de même. Puis, j'ai rien eu. Par contre, j'ai eu une petite tache ici quand je l'ai ouvert. Il y avait aussi du collant de plastique un peu partout sur une aile. Fallait que je prenne l'essence pour l'enlever. Puis honnêtement, c'est pas le plastique. Il était là avant de le mettre dans l'emballage. C'était pas le plastique, justement, des collants que j'avais. Je vais vous le comparer tout de suite avec le Jetfire classique. Qui faut l'avouer, est très très beau. Si vous voulez voir la revue, regardez sur ma chaîne, je l'ai. Voici une petite comparaison entre les deux. Il faut l'avouer, ça c'est vraiment un look plus jouet G1. Ça c'est vraiment plus bande dessinée, tout en gardant le même mode alternatif. Lui est vraiment un jet réalisable, ça existe pour de vrai. Lui c'est plus un jet futuriste, surtout le cockpit, le devant. Sinon le reste pas mal pareil. Tous les deux ont fait, il faut pas oublier qu'ils ont 7 ans d'intervalle. La part des couleurs, il y a plus de noir là-dessus. Il y a plus de gimmick là-dessus, que ce soit ses canons sur le dos. Le leader, cette année, on en a eu 4. 2 des films, 2 Generation. Le Megatron s'en vient dans pas long. Et justement, le prix a resté le même, 60$, 55-60$, mais on n'a plus d'électronique. Je vais être honnête, l'électronique, j'en ai une à foutre, ok? Le seul que je trouve vraiment génial, c'est le Metroplex, parce qu'il est assez gros pour mettre des grosses batteries. Les leaders aussi, mais c'est juste parce que Metroplex, ses sons, c'est excellent. Mais les leaders, je me suis dit, c'est pas important l'électronique, là. Mais le problème, c'est que on a enlevé l'électronique pour nous mettre à rien d'autre. Parce que ce jouet-là a aucune autre gimmick. Il n'y a même pas de canon ici. Mais en tout cas, tenez de péter une coche, là. Bon, bien entendu, on peut exploiter à fond, mettre les canons ici comme ça. Mettre les canons ici aussi. Comme ça. On peut mettre les ailes comme ça. Comme ceci. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est sortir tous les canons. Lui peut rester là. Lui peut vraiment rester là. Et faire un genre de grosse combinaison de fusils. Et comme vous avez remarqué, les fusils sont quand même très beaux. Sont très chromés. Par contre, les poignées, c'est du rouge plastique bien normal. Et c'est très très léger. Sérieusement, quand mon père l'a pris dans ses mains, il trouvait ça très très médiocre comme plastique, très léger pour le prix que j'avais payé. Mais j'ai une chance que j'ai dit que j'avais un spécial parce que qu'il trouvait que ça valait pas la peine de payer 60$ pour ça. Bon, bien entendu, on peut mettre les armes ici sur le côté comme ça.
Et comme vous voyez, ici, il y a une petite tasse rouge. Quand j'ai ouvert le mien, il y avait ça. OK? C'est lettre. c'est un peu dommage, vraiment. C'est une petite affaire, une petite affaire de peinture, mais c'est déjà trop. Tu sais, je l'aurais payé 60$, là. C'est sûr que mon ami n'a pas vu ça dans l'emballage, parce que l'emballage, il monte juste le mode robot. Et non. Bon, comme ça. Ça donne à peu près un style de même. Il est armé jusqu'aux dents. Ici, il ne rentre pas comme du monde. C'est sûr qu'on peut tout enlever, mettre les ailes comme ça, enlever le canon. Et ça donne à peu près ça. Et honnêtement, j'aime bien. L'undercarriage est correct. OK? Il est correct. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Ça fit comment avec le Voyager? Et justement, ce qui est encore plus drôle, c'est que il y a une fausse pièce. Ça, c'est vraiment l'affaire du camion. Et ça, c'est le torse. OK? Et on le vire de même. Et, bien entendu, on en remet les canons. Comme ça. Et justement, comme vous avez vu, il y a une petite roue ici. C'est pour mettre, pour que la roue continue. C'est vraiment, je dirais pas que c'est ingénieux, c'est pas extraordinaire, mais c'est une... C'est correct, là. C'est une bonne petite idée. On met ça comme ça. Et nous avons notre Jetfire mode cybertronien avec ce cockpit-là. Et oui, 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 oui. Mode cybertronien, c'est ce que je trouve. Mais bon, c'est mon idée à moi, mais... Sérieusement, cette idée-là de faux plastron... Écoutez, la figurine, c'est pas un Deluxe, c'est pas un Commander, c'est pas un Cyberver, c'est pas un Scout, c'est un Leader. Puis excuse-moi, mais le torse... Ça peut très bien faire le torse. Le torse, c'est juste qu'il voulait... parce que ce design-là, ça vient pas de G1. Ben oui, bien entendu. Mais c'est surtout d'IDW que ce torse-là vient du mode jet, comme dans G1. Parce que dans G1, on n'a jamais eu de jouet qui ressemblait à Jetfire, à part un qui est sorti cet été du nom de Cacatoy, de Kronos, comme on dit, qui est une merde, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Je sais pas c'est quoi la qualité de plastique du Kronos, mais sérieusement, elle est légère. Parce que vraiment, la qualité de plastique de celui-là, léger, là, c'est léger, là. Ça, c'est plus lourd que ça. OK? Ça, c'est lourd. Comparé à ça, c'est sûr qu'il manque son canon sur le torse, là. Sur le top, là. Mais c'est léger, là. J'en revenais pas. J'en ne reviens pas. Mais bon, faudra pas trop croire que je capote. J'ai pas payé une prix de fortune, là. J'ai pas payé... Je suis pas le français, moi, là. Je suis québécois, là. Je veux dire... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Bien entendu, train d'atterrissage au début. Bon. C'est ça que j'aime pas avec ces jouets-là. J'ai jamais d'ombre. Fait que... Moi, comme ça. C'est sûr que le canon ici en avant se met comme ça. Il n'y a pas d'autre endroit pour mettre le canon. J'ai oublié de montrer le cockpit ici. C'est très bien sculpté. Il y a même un manche. Bon, des sièges. Il y a un siège ici. Les deux sièges sont différents. Bon. Moi, je trouve ça cute. Faut pas oublier que c'est un leader. C'est peut-être la seule gimmick. Et on va commencer la transformation. On va commencer aussi à enlever les fusils qui sont un petit peu trop mettre de côté. Ranger ça. On va commencer à déclipser les jambes. Il y a cette partie-là ici qu'on doit se détacher comme ça. Et bien entendu, ça, on enlève et on vient prendre le torse.
comme ceci. Parce que oui, le torse, le genre de chest est quand même difficile à enlever. Et bien entendu, on met comme ça. Les jambes, on les descend comme ceci. Un bon 180 degrés. 490 degrés vers nous autres pour les pieds. On glisse cette partie-là ici vers l'avant. Comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Cette partie-là, on la ramène en haut. On va commencer à détacher les bras. Ici, comme ça. Et on vient mettre le torse comme ceci pour que les jambes se clipsent après la fourche. Bon. Parce que c'est quand même un petit peu difficile. Je pense que c'est fait. Cette partie-là ici. Bon, c'est sûr qu'on peut l'enlever pour de la facilité. On vient glisser ça ici comme ça. On remet cette partie-là. Comme ça. Et bien entendu, les ailes, on les met comme ça. C'est obligatoire que les ailes soient comme ça. Parce que sur les bras, comme vous voyez, si ce petit peg-là va là-dedans et le peg ici va là, tout simplement. Fait que, je trouve ça un peu dommage parce que les ailes du Voyager étaient indépendantes des ailes du corps. Fait qu'on pouvait les mettre n'importe comment. Celle-là, c'est vraiment le look. Et ça vient bloquer les ailes, bien entendu. Comme ça. Bien entendu, on tourne la tête. Et nous avons notre Jetfire. On met les canons comme un Seekers. Comme ça. Et son canon principal, ici. Nous avons voici la voile, j'ai oublié de vous la décrire. C'est une... Parce que c'est sûr, c'est le premier leader des Generations qu'on a. C'est une boîte comme les Voyageurs, mais vraiment gigantesque. Je veux dire, il y a peut-être cette partie-là ici qui est vraiment trop. Quand je dis cette partie-là, c'est pas le dessin, c'est l'intérieur. Tu sais, on nous montre le jouet, le dessin. C'est vraiment une tabarnak. Je pense que le consommateur paye au moins 5-10 piastres la boîte. Puis 50 pièces le transformer. J'exagère à peine. Bon, lance-missile photophonique. Ouh, il y en a plein. 30e anniversaire, avancé 3. Classe leader. 8 ans et plus. Côté Signal Tobo, série 1, Jetfire. Le derrière, casque amovible. Une description qui me rappelle beaucoup le Jetfire du film, du Revenge of the Fallen. Le vieux est puissant. Jetfire est un robot pacifique dans l'âme, mais la violence insensée des Decepticons et l'arrivée de leur guerre sur Terre l'ont convaincu de se lancer dans la mêlée aux côtés des Autobots et d'en finir avec sa guerre coûte que coûte. C'est sûr que c'est la même description que dans G1, parce que oui, c'est un jouet G1. Bon, propulseur turbo, canon porté au bras. Comme on voit, comparé aux jouets, il n'y a pas de traces rouges ici. Et il n'y a pas de traces ici sur les pieds. Je vais vous montrer plus par là. Et les canons sont noirs, le bout. Car ils sont transparents. Puis là-dessus, ils n'ont pas de l'air chromé. Je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste pas que c'est intéressant. 21 sur 30. C'est vendu séparément. Et justement, sur le côté, on a l'affiche. Et on a une très belle artwork de Jetfire quand on ouvre la boîte de ce côté-là qui représente le Jetfire AEW qui est très 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 beau et on va bien entendu l'enlever. Oh. Qui n'est pas attaché. Bon.
Bien entendu, il y a le missile. Et le plan, qui est en 3D, bien entendu, qui monte mode robot à mode jet et mode jet à mode robot. Qui est, on va se dire, ça n'a quasiment rien parce qu'il est tellement facile comme transformation. Et bien entendu, le missile. C'est pas tant que ça loin. Comment je pourrais dire? Les couleurs sont quand même belles. Du blanc, du noir, du rouge. Du light piping, on va dire, du sur le torse. Un peu dommage que ça, ces peints rouges et ce motif-là sont aussi rouges. Ça aurait été mieux une autre couleur, comme gris ou noir. Même limite blanc. Sinon, il y a une chose qui m'avait dérangé depuis les premières photos. C'était ça ici. Ça aurait pu être fermé pour que ça fasse plus beau. Il y a aussi ces pas-là, mais ça, c'est pas grave. Ça, honnêtement, là, je trouve ça un peu dommage à cause du look. Ça aurait dû être fermé. Sinon, comme j'avais dit, il manquait des affaires rouges ici. Ça aurait dû être peinturé. Ça, les deux petites lignes aussi. La finition de peinture est quand même très belle, mais je dirais qu'il y a des moments où que il y a des bouts où que vraiment il aurait pu se forcer un peu plus. Comme on voit les vis ici. Bof, c'est pas moi qui vais capoter sur les vis là. Mais juste les vis noires, là, ça aurait été juste correct. Ou juste replier cette partie-là pour que ça soit centré ici, comme ça, les ailes suivraient la forme du torse. Ça aurait été vraiment génial. Sinon, c'est sûr, le faux plastron, ça, c'est vraiment stupide. C'est sûr que le look G1, mais tu sais, l'autre plastron, parce que l'autre site, ça sert à rien. Justement, le backpack, il y a ça qu'on peut enlever. Et bien entendu, ok, là, j'avoue que cette partie-là, on peut l'enlever puis la remettre, et on peut la tourner comme ça. Mais je trouve, honnêtement, un peu trop large. Parce que le Jetfire classique, que je vais vous montrer, ce que j'aime avec lui, c'est que, oui, il y a ces fameux rouges, ces canons rouges, mais il y a la gimmick qui rend... Là, il faut faire attention. Comme ça. Et on ramène ça sur les épaules pour le mettre plus armé, plus d'armes à feu, justement. Puis ça fait quelque chose de vraiment cool, d'armé jusqu'aux dents. Comparé à lui que ça, derrière, c'est... On me l'aurait pas mis que j'aurais pas capoté. OK? Parce que c'est ce qui fait le plus science-fiction de ce jouet-là. C'est ça. Bon, on va le comparer aussi avec Optimus Prime classique. Que je trouve la taille, les deux ensemble, vraiment correct. Non, sérieux. Sinon, les articulations, c'est pas mal du ratchet joint tout le temps. Ici, les épaules peuvent se mettre là. Articulation juste en avant pour ça. Rien ses mains, tu sais, les mains auraient pu tourner. Non, rien. Articulation ratchet joint ici. Sinon, ici aussi. Il n'y a absolument rien sur les pieds. Tu sais, est-ce qu'on peut y faire une belle passe? Ça, j'ai pas vraiment essayé. Bon, une belle passe. Ouais, c'est pas si pire. Même son backpack derrière, ça tient bien. Il faut l'avouer, il y a des gigantesques talons. Aussi, les fameux canons, on peut tout assembler pour former un putain de gros canon bouclier. Bouclier, vous allez voir qu'est-ce que je dis. On va l'enlever, ça va être plus simple demain. On va le mettre de même. Bon. Bien entendu, ces canons-là, on les met ici. Les petits canons, on les met ici comme ça. Puis, vous avez remarqué, ça c'est du rose plastique. Ça fait que trois fois que j'ai mis les canons, ok? Troisième fois. Puis, il y a déjà la plastique en dedans qui s'enlève. En même temps, c'est normal. Moi, c'est vraiment le plastique autour que je veux vraiment faire attention. Comme ça. C'est comme ça. Pour former un, comme je disais,
un fusil bouclier. Parce que oui, c'est ce que ça donne. Comme ça. Bof. Sinon, peut-être que j'aime mieux, comme je disais, fusil bouclier sur le côté comme ça. Bon, comme ça fait un genre de bouclier fusil. J'aime mieux ça de même. Je ne le mettrai pas sur mon étagère comme ça. Je vais mettre les armes divisées. Mais honnêtement, j'aime mieux ça de même. Ça lui donne un bon look. Et il y a bien entendu un autre point négatif qui suit un peu la logique des trous. C'est du creux. Du creux ici en haut. Je m'attendais vraiment à pire. Mais c'est en haut. Il aurait pu utiliser cette partie-là pour revenir, pour fermer cette partie-là. Ici, les jambes, c'est du vide. Bon. Comme je disais ici. Vu de derrière, bon, vu de derrière, c'est pas si pire. Il aurait pu faire encore plus de vide. Sur le côté ici, j'en avais parlé. Non, rien d'autre. Mais c'est pas plus grave que ça. Sinon, il y a une chose que je veux vous montrer que. Enfin. Le casque. Justement, le casque, on peut le mettre comme là. Regardez, enfin, la tête de Jetfire G1. Une tête pareille. Je vais le comparer tout de suite avec la tête du classique. Comment elle est différente. Elle a du noir. T'sais, c'est vraiment du look IDW. Là, on a vraiment une tête G1 comme dans série animée. C'est vraiment magnifique. Regardez-la. Il y a aussi l'articulation ici comme ça. Qui est vraiment très très belle. Ben, l'articulation, c'est ça. Là, on va dire, on peut lever la tête. Qui est très très belle. Là, le problème, c'est que je pensais que le casque, on pouvait le mettre derrière. J'ai toujours pensé ça. Malheureusement, on ne peut pas le mettre derrière. On peut le mettre par contre. Ça, c'est vraiment une idée. C'est pas l'idée du siècle, on va se le dire. Sur le fusil, avec la partie ici, sur le top, on met ça. Comme ça. Ouais. Pour le mettre sur le fusil. Comme ça. Voici le look sans les fusils aussi, justement. Personnellement, j'aime bien avec les flingues. Surtout ceux-là, sur le côté. Honnêtement, c'est bien mis dans. Là. Comme ça. Il peut se mettre à genoux puis il peut tirer. Et bien entendu, des armes à la Seekers. Comme ça. Avec ce fusil-là, qui est un peu ridicule. Et bien entendu, on remet ça comme ça. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Honnêtement, le prix... Pour les Québécois, c'est sûr que 30$ au Walmart, c'est un excellent prix. Pour les Français, vous n'allez pas l'avoir sur le territoire, donc vous devez le commander. Ce jouet-là ne vaut pas 60$. Okay? Ce jouet-là ne vaut pas... Ça vaut peut-être 30$ max. Et ça, je parle surtout pour la qualité de plastique. Parce que le look, les couleurs, il l'a en tas. Okay? Il faut l'avouer. Le chrome est beau. La grandeur, peut-être un petit peu petit qu'un leader normal. Beaucoup plus petit qu'un leader normal, ça c'est certain. Par contre, je parle vis-à-vis la tête, et non ça, là, tu sais. Parce qu'un leader normal, me semble que c'est quand même haut, là, tu sais, c'est quand même un petit peu plus haut que ça. J'attends le Megatron, si la qualité de plastique du Megatron est la même que celle-là, je vais l'acheter pareil, mais il risque de se faire un petit peu barbassé, on va dire. Le look, il l'a. C'est sûr que si vous avez la version classique, vous pouvez acheter les deux pour comparer, puis garder une celle que vous préférez. Moi, sérieusement, côté look, je préfère celui-là. Côté jouabilité, côté... je dirais pas jouabilité, mais côté qualité de plastique, côté gimmick, le Voyager classique est vraiment pareil. En ayant à voir lui, je me suis dit, peut-être que je vais vendre un des deux, je vais comparer les deux, mais finalement, je vais garder les deux. Par contre, je sais pas, peut-être plus mettre dans mon étagère de la saison 1, puis Jetfire mettre dans la saison 2 ou saison 3. Là, je sais pas encore.
Fait que est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je dis que soyez pas surpris de la qualité de plastique. Soyez plus surpris du look du robot. Soyez... C'est une figurine à collectionner, tout simplement. Okay? C'est pas une figurine à jouer. C'est une figurine faite pour un enfant, ça c'est certain. C'est pas la figurine du siècle. C'est pas la figurine de l'univers. Là, je parle trop. Mais sérieusement, c'est vraiment le fun d'avoir un leader Jetfire classique, Chug, pour une fois. Puis j'espère que même après Megatron, on va peut-être... Il faudrait qu'ils nous donnent des personnages qui n'ont jamais été faits. Parce que Megatron était fait en jet, il était fait en fusil. Première fois qu'on le voit en tank, lui, il a déjà été fait. J'aimerais ça qu'on aille un Omega Supreme de ce style-là. C'est sûr qu'Omega Supreme, il est plus gros que d'habitude. J'aimerais ça qu'on aille un Ultra Magnus. J'aimerais ça qu'on aille... pas un combineur, parce que les combineurs sont différents. J'aimerais ça qu'on... Peut-être qu'on nous donne peut-être un Optimus Prime, qu'on nous donne un... J'en sais rien, un Skylanx. Un Skylanx. Je veux un Skylanx classique. Fait que je pense que j'ai tout dit. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.